Alors, pour vous montrer un peu le cadre de la maison, là, c'est où il va se garer. Il va se garer là. Il sort par là. Là, du coup, c'est la maison. OK. Et là, c'est la piscine. Tu vois. Donc, du coup, dès qu'il sort du parking, tout de suite, il me voit là. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Parking, noyade. Parking, noyade. Parking, noyade. Hi, guys! Hi, guys! Hi, guys! Je voulais commencer mon introduction ici, mais c'est impossible, il fait trop chaud, on va attraper des coups de soleil. Donc venez, on monte, c'est mieux. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, votre go est de retour pour pranker son papa. Je vais pranker monsieur Lawson et il va sûrement péter un câble. Pour vous décrire à peu près notre relation, mon père, il est trop méga protecteur avec moi. Il veut que je ne manque de rien, il veut que je sois toujours bien, enfin, et il prend trop bien soin de moi. Il me masse les pieds quand j'ai mal aux pieds, il range mes affaires. Il veut même pas qu'un moustique me pique. Enfin, je sais pas. Mon père, il est super méga protecteur. Ça devient même un peu saoulant des fois. Et du coup, là, je vais lui faire une très mauvaise blague. Je vais lui faire croire que je me suis noyée. En fait, chez nous, quand tu rentres dans la maison, ça donne directement vue à la piscine avant que tu puisses accéder à l'étage. Du coup, là, quand il va garer sa voiture et qu'il va en sortir, il va voir tout de suite en fait sa fille qui est en train de se noyer, enfin qui est même déjà noyée. Donc j'ai hâte de voir sa réaction, j'ai hâte de voir s'il va sauter dans la piscine, sachant que ses vêtements coûtent super méga cher, ses chaussures coûtent vraiment très cher. Donc je ne sais pas s'il va me tuer, je pense que oui. Là je vais descendre pour prévenir les gardiens et leur dire en gros que s'ils me voient inerte sur l'eau, de ne pas s'inquiéter. Quoique, imaginez, je meurs vraiment et que là personne s'inquiète. Mais non. Pour vraiment que mon père puisse mordre à l'hameçon et que vraiment que ça soit très très crédible comme situation, il y a de cela 2-3 jours, je lui ai fait croire en gros que je voulais vraiment apprendre à mieux nager. Donc que je suis partie acheter plein d'accessoires de natation. Par contre, juste avant, venez, on monte en haut. D'ailleurs, on monte toujours en haut. Venez, on monte pour que je puisse vous montrer ce que j'ai acheté. Comment ça s'appelle ça déjà? J'ai oublié. Des palmes, voilà. Je sais même pas comment ça s'appelait en vrai. Toute ma vie, je voyais ça dans les documentaires marins et tout. Et tu les voyais nager avec leurs palmes. Trop stylé. J'en ai eu pour à peu près 100 euros et je regrette de ouf de ne pas avoir commandé via la plateforme Litty Shop. Parce qu'aujourd'hui, j'ai remarqué, quand tu rentres dans un magasin, tu prends quelques petits trucs et arrivé à la caisse, on te dit 100 euros, 120 euros, mais en fait, à quelle heure, tu vois? Donc bref, j'aurais grave dû passer par l'application Litty Shop. En fait, c'est un site de cashback. Et ce qui est trop bien, c'est que comparé à d'autres plateformes qui proposent à peu près la même chose, il y a la version mobile. C'est-à-dire que tu peux télécharger ça sur ton téléphone et faire des achats en ligne et récupérer une partie de l'argent que tu dépenses. Ils sont en collaboration avec plus de 3000 marques, ce qui est juste énorme. Et ils ont beaucoup de cashback qui sont boostés. Pour parler un peu plus des marques avec qui ils sont en collaboration, il y a Booking, qui ne connaît pas Booking, AliExpress, qui ne connaît pas AliExpress, Asos, Boohoo, Nike, Cdiscount, Levis, Yves Rocher, toutes catégories, voyage, technologie, beauté et lifestyle. Litty Shop est disponible sur mobile, en application, en extension et sur ordinateur. N'hésitez pas à vous servir du lien que je vous ai mis en barre d'infos, car grâce à mon lien, le mien, tu auras de la chance d'avoir un compte premium qui te permettra d'avoir des taux de cashback assez élevés pour pouvoir récupérer le plus d'argent quand tu vas en dépenser. Et je répète, c'est 100% gratuit, so allez voir en barre d'infos. Alors, pour vous montrer un peu le cadre de la maison, là, c'est où il va se garer. Il va se garer là, il sort par là. Là, du coup, c'est la maison. OK. Et là, c'est la piscine, tu vois. Donc, du coup, dès qu'il sort du parking, tout de suite, il me voit là. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Parking, noyade. Parking, noyade. Parking, noyade. OK, guys, donc là, je viens juste de raccrocher avec mon père. Il m'a dit qu'il ne va pas tarder à arriver à la maison. Donc là, je suis en train de chercher, en fait, où est-ce que je pourrais placer les caméras. Juste ici, pour que vous puissiez voir quand il va sortir de là. Je place une autre caméra juste ici, histoire que vous puissiez avoir ce champ de vision là. Et je place une dernière caméra juste ici, pour que vous puissiez le voir quand il va rentrer à la maison. S'il vous plaît, gardien, dès que vous voyez mon père arriver, dès qu'il sonne, peut me faire signe s'il vous plaît? Merci beaucoup. Je lui fais une petite blague en fait, c'est pour ça. Ok. Vous allez me dire si je parais inerte ou pas. C'est crédible ou pas?
Et les gars, il a sauté dans l'eau. Est-ce que mes fossiles sont encore là? Ouais. Il a sauté dans l'eau. Vous avez vu comment il a sauté? Là, il doit m'en vouloir à mort. Je sais même pas quoi dire. Ah bah regardez. Il a laissé ses chaussures là. Ce sont des Western. Ça coûte super méga cher. Connaisseur connaît. J'espère que ça va, qu'elles sont pas abîmées. J'espère vraiment qu'elles sont pas abîmées. Oh là là, putain. Du coup, je viens de rentrer dans ma chambre et de visionner la vidéo. C'est moi où il a hésité entre ses chaussures et ma vie. Je vais monter dans sa chambre en espérant qu'il me boude pas trop. Hop là. Faut d'ailleurs que je vous fasse une villa tour de... Regardez ce qu'il a fait. Il a mis Rare Famille Sérieuse, le nom de mon parfum, juste ici. Et il a fait confectionner un parfum géant qu'il a mis... Attendez, que je vous montre. Il a fait confectionner mon parfum géant qu'il a mis juste ici. Il est trop fier de sa fille. Genre, il a dit que quand il est dans son canapé, il veut voir, en fait, le parfum en face de lui. Et quand il se détend là-bas, au bar, il veut voir Rare Femme Mystérieuse. C'est le meilleur, putain, il mérite pas que je lui fasse tout ça. Papa, t'es encore fâché? Papa! Il veut vraiment plus me parler, hein. Il veut vraiment plus me parler.